Moses, sir, are you already begin the recording? Yes. Okay. Bon, bonjour à tout le monde et merci de participer à ce BIM Talk Session où nous allons parler du sujet BIM avantages et impact sur les constructions durables. Et là, ça sera avec l'invité Emmanuel Didiacomon que je dois pouvoir vous laisser lui-même se présenter. Et pour ceux qui viennent de nous découvrir pour la toute première fois, c'est BIM Africa. Et qui sommes-nous? En fait, nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous sommes une initiative et une organisation de la société civile créée pour permettre et réglementer l'adoption et la mise en œuvre de la modélisation des informations du bâtiment dans l'industrie de l'ingénierie et de la construction et architecturale à travers l'Afrique. Nous avons comme mission d'abord, un, c'est de créer une voie collaborative unie pour transformation numérique de l'environnement bâti de l'Afrique, faciliter les études universitaires et de marché pour une adoption et une mise en œuvre efficace du BIM, engager des volontaires et des membres à travers les pays africains pour une représentation locale efficace, encourager, faciliter et suivre les événements locaux de sensibilisation et de formation au BIM. Collaborer avec les organismes professionnels pour assurer le déploiement du BIM dans les projets de construction à travers l'Afrique. Conseiller le gouvernement et ses représentants sur les politiques de mise en œuvre du BIM. Et nous avons comme goal objectif notre plan stratégique de BIM Africa d'ici 2025 est de sensibiliser au moins plus de 500 000 entités et professionnels qui sont dans l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction à travers le continent africain sur le BIM. Faciliter les politiques de mise en œuvre du BIM pour le projet public et dans moins de 3 ou 10 pays africains, produire et promouvoir des normes, des informations, des rapports et des recherches pour une mise en œuvre plus efficace du BIM dans divers pays africains. Et vraiment, pour nous, c'est un grand honneur. Et si vous voulez à savoir beaucoup plus, avoir beaucoup plus d'informations sur BIM Africa, nous allons mettre les liens dans les chats, vous pouvez en savoir beaucoup plus. Nous avons vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir parmi nous Monsieur Emmanuel Didiacomo. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ces BIM Talk. Je crois que pour ceux qui ne vous connaissent pas, je dois pouvoir vous laisser vous-même vous présenter et bien de pouvoir commencer le webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. Il y aura une séance de questions-réponses sur laquelle Emmanuel aura le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations sur les BIM. Merci beaucoup et Emmanuel, vous avez la parole. Merci Christian et bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je tiens à remercier tout d'abord Christian qui m'a invité à faire cette présentation ainsi que l'organisation de BIM Africa, Moses Itanola. C'est à la fois un grand plaisir et un honneur pour moi, surtout que je suis en fait les travaux que vous faites chez BIM Africa. Je pense qu'en Afrique, vous avez une grande opportunité justement comment dire, d'utiliser le processus BIM de manière à construire et à concevoir et à construire un meilleur monde, de meilleures habitations, améliorer l'urbanisme, etc. Et on voit beaucoup d'initiatives actuellement en Afrique, un peu partout, justement autour de l'utilisation de ces nouvelles technologies. J'ai aussi bien apprécié ce que disait Christian par rapport à cet objectif que vous avez d'ici 2025, je crois, de sensibiliser plus de 500 000 organisations ou personnes. Ça, c'est ambitieux et c'est vraiment très bien de se fixer ce type d'ambition. Il n'y a que de cette manière-là, en fait, qu'on va justement arriver à atteindre ces objectifs de modernisation et de digitalisation du secteur du BTP. Et nous aussi, en Europe, on est confrontés à justement cette transition-là. Alors rapidement, moi, ça fait 19 ans que je suis chez Autodesk, que je suis architecte de formation. Ça fait un peu plus de 31 ans que je suis dans le monde aussi de la 3D pour le secteur de la construction. J'ai toujours été convaincu, comment dire, que cela permettrait d'améliorer la qualité des bâtiments et des villes qu'on conçoit et qu'on construit.
Je me suis occupé, j'ai eu la chance quand je suis rentré chez Autodesk de lancer Revit, qui est certainement l'un des logiciels BIM les plus utilisés dans le monde justement pour la conception et la construction de bâtiments. Je suis un ancien élève de Paul Mémon, qui était le fondateur de l'école où j'ai fait mes études et qui était à la fois un grand humaniste, quelqu'un qui était très respectueux de l'environnement, qui était conscient du fait justement qu'il fallait économiser les ressources de la planète, respecter l'environnement dans lequel on vit, et qui était déjà à cette époque-là, hein, c'était il y a 20, un peu plus de 27 ans, on va dire maintenant, qui était déjà convaincu que justement les nouvelles technologies et le numérique allaient justement permettre d'atteindre ces objectifs. J'ai eu la chance aussi, au tout début chez Autodesk, pendant à peu près 6 ans, de m'occuper du suivi méthodologique et technique de nos clients importants, à la fois en Europe, mais aussi où j'ai eu la chance d'aller au Maroc, en Turquie. Je n'ai pas eu la chance d'aller partout en Afrique, j'aurais bien aimé. Je pense je vois beaucoup de choses assez innovantes se passer justement sur le continent africain. Enfin, deux dernières choses. J'ai un blog qui s'appelle ABCD Blog, donc abcdblog.fr, où je publie régulièrement des informations sur les projets, les tendances, avec des exemples de clients sur leur réalisation, justement. Et j'ai aussi une ville utopique qui s'appelle Revit Utopic City, qui montre aussi que le BIM, parce que ça, c'est une grande problématique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'avec le BIM, on réduit la créativité, etc. C'est pas vrai du tout, hein. Tous les projets qui se font au quotidien vous le montrent. Alors, tout d'abord, quand on parle de pourquoi est-ce que finalement le BIM et le numérique, hein, de manière générale, sont importants dans ce contexte de développement durable. Alors, tout d'abord, on va voir le contexte global. Alors, comme vous le savez, on a une urbanisation rapide sur tous les continents dans le monde, ce qui représente en fait un défi pour les concepteurs. On sait que les villes sont de plus en plus importantes, on a besoin de loger de plus en plus de personnes, et ce n'est pas uniquement un défi par rapport aux bâtiments qu'on doit construire, mais aussi par rapport aux infrastructures qu'on doit créer, parce que bien entendu, avant de créer des villes, il faut réfléchir aux infrastructures de transport de personnes, d'énergie, de véhicules, etc. Donc on a besoin de concevoir. C'est à la fois un défi pour les concepteurs, mais c'est aussi une opportunité. On sait qu'on aura 10 milliards de personnes, pardon, 10 milliards de personnes dans les années à venir sur notre planète. 75% de ces personnes vivront dans des villes, hein, ces fameuses mégalopoles, même si avec la Covid, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche peut-être d'un retour à la campagne, etc. Mais en tout cas, la tendance, c'est quand même celle-ci. On sait qu'à peu près 5 milliards de personnes seront de la classe moyenne, hein. On ne parle pas vraiment de population finalement pauvre, hein. On aura beaucoup de personnes justement qui auront beaucoup de moyens et qui justement vont être en attente finalement de services qui sont à la hauteur de leurs moyens, c'est-à-dire d'objets connectés, de bâtiments de qualité, d'habitations de qualité, etc. Et du coup, on sait que ça va générer 2 fois plus de demandes énergétiques. Et tout ça, on sait que ce sera aux alentours de 2050. Alors tout ça, bien entendu, ça génère un certain nombre de problématiques. On sait que d'un point de vue environnemental, on a à peu près l'équivalent de 4 trilliards de dollars de biens qui sont à risque par rapport à leur position, par exemple au bord des côtes, etc., et qui risquent des tsunamis, des inondations ou des tremblements de terre. On sait que le bâtiment est responsable de 84% des émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on a à peu près l'équivalent de 60 milliards de dollars d'énergie qui est gaspillée. Et on sait qu'il y a aussi un potentiel à peu près de 5,5 milliards de dollars pour la fabrication, la conception et la fabrication de biens à faible empreinte carbone. Parce que finalement, c'est ça aussi qu'on veut essayer de faire.
Donc on peut hein, relever ces défis, ça paraît énorme, mais on peut tout à fait relever ces défis du changement climatique, tout d'abord grâce à une meilleure conception des bâtiments. Et pour une meilleure conception du bâtiment, c'est là où le numérique et des processus comme le BIM, mais pas que, vont rentrer en ligne de compte. C'est à la fois un besoin critique, hein, on ne peut plus faire autrement hein, parce qu'on a de moins en moins de ressources, on a de moins en moins de moyens aussi financiers hein, pour construire les choses et on a besoin de plus en plus de performances. Mais c'est en même temps une opportunité entre guillemets commerciale, c'est-à-dire pour vous, professionnels du bâtiment ou futurs professionnels du bâtiment, parce qu'il y a peut-être des étudiants hein, dans cette audience, pour construire en fait un environnement bâti, ce qu'on dit net positif, c'est-à-dire des bâtiments qui eux-mêmes vont produire une énergie propre et neutre en carbone. Donc ça, c'est vraiment les objectifs du futur. Alors nous, chez Autodesk, on travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années et on est convaincu qu'on peut à la fois économiser, alors économiser sur le coût de la construction des bâtiments, que ce soit en construction ou en exploitation et en maintenance pendant tout le cycle de vie du bâtiment, parce qu'on sait aussi que 80% du coût global d'un projet, il est concentré sur sa phase exploitation et maintenance. On sait aussi que l'une des problématiques, parce que vous avez vu les chiffres hein, qui sont quand même assez importants, on parle à peu près d'un besoin qui correspond à 13 000 bâtiments construits par jour si on voulait répondre aux besoins de la population qui va arriver demain, et à peu près en termes d'infrastructures, par exemple routières, l'équivalent de 3 fois le tour de la Terre. Donc, on sait qu'on a besoin de gagner du temps, d'optimiser la conception et la construction. Donc, on sait qu'on va gagner du temps justement avec des processus de conception plus rapides ben, pour obtenir les meilleurs projets possibles. Et enfin, pour atteindre les objectifs de durabilité et de contraintes climatiques sur notamment la réduction de l'empreinte carbone, eh bien on sait qu'on va justement s'appuyer sur tout ce qui est technologies numériques qui vont justement nous permettre d'atteindre tous ces objectifs de durabilité. Alors concrètement, on va voir comment ça se passe. Hein. Mais pourquoi aussi le BIM est de plus en plus regardé? Parce que tout d'abord, on voit que dans le monde entier, les obligations pour le secteur public se multiplient de plus en plus. Vous connaissez bien entendu les obligations du Royaume-Uni, qui est le leader mondial de ce point de vue-là. Vous avez tous les pays nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc., où le BIM est obligatoire depuis très très longtemps, hein, depuis les années 2013-2015. Vous avez aussi l'Allemagne qui a rendu le BIM obligatoire sur les projets d'infrastructures publiques. L'Italie, toute l'Amérique du Sud s'y est mise, hein. Vous prenez l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou, etc. Tous ces pays ont rendu le BIM obligatoire pour tout ce qui est marché public. Et vous avez aussi de plus en plus soit de bâtiments comme par exemple l'aéroport de Mexico City ou alors le corps le corps des ingénieurs de l'armée américaine qui demandent à ce que le BIM soit obligatoire ou alors les autorités portuaires de New York, etc. Vous avez de plus en plus d'obligations liées au BIM. Pourquoi? Parce que les maîtres d'ouvrage publics et même privés, bien entendu, se sont rendus compte qu'ils allaient économiser sur le coût de la construction et ensuite sur l'exploitation et la maintenance. Et là, vous voyez, c'est simplement une image à un instant T qui vous montre toutes les obligations du BIM ou celles qui sont en cours actuellement. On voit que, par exemple, sur le continent africain, oui, en Afrique du Sud et au Kenya, il y a quand même des pays qui sont à la pointe et il y a de nombreux projets au Maroc qui se font en BIM, comme par exemple le projet de Zaha Hadid et du Grand Théâtre de Rabat. Alors, pour comprendre pourquoi c'est important et ce que ça va nous apporter, notamment d'un point de vue de développement durable, il faut s'intéresser aux tendances. Alors, les tendances, on les connaît tous, hein, toutes et tous. On a de plus en plus d'objets connectés. Hein. Vous avez peut-être de votre côté des montres connectées. Vous avez des capteurs comme le capteur en haut à droite de chez Nest
qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour comprendre les habitudes des personnes à l'intérieur d'un logement et auto-réguler automatiquement la température. On voit la préfabrication et ce qu'on appelle le hors-cycle modulaire qui se développe de plus en plus, hein, alors que c'était très à la mode dans les années 60, que ça avait disparu. Ça revient parce que ça permet de construire beaucoup plus rapidement et ça s'appuie directement sur le BIM, puisqu'en fait, le BIM, c'est la fondation de la transformation numérique. L'impression 3D aussi et la robotique qui sont des tendances qui vont influer directement sur, finalement, sur la construction de demain. Ensuite, les projets sont de plus en plus complexes. On voit en Afrique, notamment au Maroc, il y a des tours qui sont en train de se construire, mais pas qu'au Maroc, hein, au Nigeria ou dans d'autres pays. Vous avez de plus en plus de tours très hautes, très complexes. Donc, tout ça, on ne pourra pas le faire justement si on ne s'appuyait pas sur un processus numérique. La production, la nature de la production, elle change aussi, hein. La production intellectuelle, bien entendu, vous ne vous verriez pas concevoir un projet aujourd'hui avec une table à dessin et un rotring et du crayon à papier. Maintenant, il faut absolument travailler en 3D et en BIM. Et la production aussi physique, puisque c'est ce que je disais avec notamment l'impression 3D ou la préfabrication ou leur site, on voit que ça change. La nature de la demande aussi, elle change parce que même si vous, en tant que concepteur ou constructeur, vous ne souhaiteriez pas le faire, ben, les maîtres d'ouvrage, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans le monde, de ce que justement les nouveaux processus vont leur apporter, et c'est eux qui vont vous l'imposer, que ce soit des maîtres d'ouvrage publics ou privés d'ailleurs. Et enfin, les produits, la nature des produits, elle est de plus en plus présente. C'est-à-dire que quand on travaille en BIM, ben, toutes les informations, les propriétés de résistance thermique ou du coût d'un matériau, on va les intégrer dans les maquettes pour pouvoir faire des calculs de performance énergétique notamment ou structurelle, etc. Les produits, c'est aussi les capteurs qu'on va mettre dans les maquettes pour exploiter et maintenir et économiser sur la durabilité de notre bâtiment. Alors, le BIM, ça va générer énormément d'informations. Dans BIM, vous avez le I qui est hyper important, Building Information Modeling, qui est le processus, Building Information Model, qui est l'objet résultant, en fait, le modèle de la discipline correspondante. Et il y a même des maîtres d'ouvrage qui parlent de Better Information Management. Et tout ça génère du big data qu'on va être capable de, comment dire, d'exploiter à partir de n'importe quel terminal, un téléphone, un ordinateur, etc. Donc tout ça devient de plus en plus important. Pour comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là, faut voir très rapidement les trois grandes ruptures technologiques qui ont eu lieu. Il y a eu la première, hein, pour ceux qui ont connu, moi j'ai eu la chance de connaître le passage de la table à dessin dans les années 80 à l'ordinateur en 2D, à la CAO, ce qu'on a appelé la conception assistée par ordinateur 2D, ça c'était les années 80-90, ça a été la première révolution. C'était plus une révolution du numérique parce qu'à l'époque, il y avait déjà des technologies 3D, mais ça coûtait extrêmement cher. L'arrivée d'AutoCAD et du PC surtout, ça a permis de démocratiser parce qu'on achetait un PC à cette époque-là pour 4 000 euros, alors que pour s'équiper avec des logiciels 3D sur des plateformes Mac, on en avait pour plus de 100 000 à 150 000 euros à l'époque. Il y a eu la deuxième révolution, ça a été la révolution du BIM dans les années 2000, jusqu'à même maintenant, parce qu'on voit que la maturité finalement du marché, elle n'est pas encore totale. Donc ça a été la deuxième révolution, pouvoir faire des maquettes BIM où tous les documents sont coordonnés les uns aux autres, où on a des informations sur les objets, etc. Alors que sur la CAO 2D, c'était simplement une transposition de ce que vous faisiez sur la table à dessin sur un ordinateur. Donc il n'y avait pas d'intelligence au niveau des traits, des arcs de cercle, etc. Et enfin, nous, on considère qu'on est dans l'ère actuellement du BIM connecté, c'est-à-dire le BIM plus la puissance du cloud. Parce que faire une maquette BIM 3D avec même des notions de temps 4D, etc., ou de 5D de quantité, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'exploiter les informations et d'utiliser la puissance de serveurs de calcul déportés pour faire toutes sortes de calculs, performance énergétique, structurelle, intelligence artificielle, générative design, etc.
Alors, les défis actuels du secteur de l'AEC qu'on retrouve partout, hein, aussi bien en Afrique qu'en Europe ou en Amérique, c'est premièrement les données partagées. Pourquoi c'est un défi? Parce que vous savez très bien, entre architectes, ingénieurs, entreprises, on n'aime pas forcément partager les informations. À chaque fois qu'on change de phase du projet, on a une rupture dans le processus qui fait que chacun recommence à chaque fois à zéro la maquette ou les documents. Du coup, on a des déperditions phénoménales. Du coup, la continuité de la documentation s'en ressent, puisque à chaque fois, vous recommencez à zéro quand vous donnez finalement vos données à l'autre, à vos partenaires, aux acteurs du projet. Donc, du coup, on a une continuité de la documentation qui n'est pas forcément assurée. La livraison du projet, finalement, c'est pareil, hein, puisque normalement, vous savez que traditionnellement, on va recevoir ce qu'on appelle un DOE, dossier des ouvrages exécutés, sous forme de piles de plans papier, qui ne correspondent d'ailleurs la plupart du temps pas à ce qui a vraiment été construit. Ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer exploiter et maintenir son bâtiment avec une maquette BIM, ce qui permettrait de gagner de l'argent et d'économiser. Et enfin, les contrats, tout ça, ça a un impact bien sûr sur la partie contractuelle. Alors justement, le BIM, il permet de changer tous ces processus et on voit un certain nombre de catalyseurs qui font que les choses changent. Vous avez d'abord les décisions qui ne sont plus prises au hasard, c'est-à-dire que traditionnellement, par exemple, un professionnel du bâtiment, il va vous dire, ah ben moi, la rénovation, ça va vous coûter 1 000 euros le mètre carré, etc. C'est fini, c'est-à-dire que maintenant, on s'appuie sur les données des maquettes BIM. La communication, ça va être le gros avantage du BIM. Hein. C'est ce qui ressort des enquêtes, c'est 97% des gens qui sont passés en BIM trouvent que la communication, c'est vraiment le premier gros avantage. Les idées ensuite, c'est-à-dire qu'à partir d'un processus BIM et notamment de l'utilisation, par exemple, de la conception générative, on va générer des milliers d'idées en l'espace de quelques secondes et tout ça de manière très efficace. Et enfin, tout ça, bien sûr, ça génère beaucoup de données, du big data, plein d'informations. Et tout ça va nous permettre de créer des bâtiments éco-efficients à hein, tous ces processus. Et en plus, on aura la chance de travailler dans un processus collaboratif intégré. Alors, le BIM, concrètement, c'est quoi? C'est, ben, vous voyez, on a un architecte qui va créer un bâtiment avec des formes plus ou moins complexes. On n'est plus limité, on n'est pas obligé d'aller dans un autre logiciel. Ici, ensuite, l'ingénieur structure va récupérer pour calculer les déformations sur le bâtiment, les descentes de charge. Il va être capable, en fait, de redonner le modèle à l'architecte qui va venir par exemple rajouter une verrière à l'arrière du bâtiment. Il sera capable de modéliser n'importe quel type de forme, des formes anthropomorphiques comme celle-ci, où il va être capable de plaquer par exemple des murs rideaux. Tout de suite, vu qu'on est dans du BIM, on pourra faire des documents, cette coupe par exemple, extraire les quantités, le nombre de meneaux, la quantité de béton, etc. Et ce qui va être intéressant avec le BIM, c'est que les modèles étant géoréférencés, en fait, les solutions BIM, par exemple comme Revit, vont permettre d'aller chercher les données de la station météo la plus proche et de générer automatiquement, comme vous voyez à l'écran, tous les systèmes à l'intérieur du bâtiment. Donc, ce que vous voyez là, la VMC, le chauffage, la ventilation, tout ce qui représente l'éclairage, c'est en fait un dimensionnement intelligent avec des moteurs de calcul qui s'appuient sur justement les données qui sont dans les murs, etc., les données de température de la région, etc. Et on va être capable de générer automatiquement, dimensionner automatiquement. Je vous parlais de la communication. De la même maquette, on va être capable, comment dire, d'extraire des images photoréalistes. Et enfin, comment dire, résumer, le BIM, on va être capable d'avoir plein de maquettes. La maquette de l'architecte, la maquette structure et la maquette CVC, plomberie, électricité. On pourra avoir la maquette cloisonnement, on pourra avoir les maquettes des cuisines, etc. Alors le BIM, ce que beaucoup de gens pensent aussi, c'est que c'est uniquement pour les projets un peu exceptionnels et iconiques. Alors c'est vrai que
Vous avez de plus en plus de projets, si on regarde des zones comme Dubaï ou New York ou les grandes villes ou même la Défense en France ou certaines tours qui vont se faire par exemple au Maroc ou en Afrique. On voit des grands projets, ce qui est assez logique, comme ici vous avez le One World Trade Center à gauche et la Shanghai Tower à droite, qui effectivement s'appuie sur un processus BIM qui permet d'obtenir des bâtiments dont notamment l'une des grandes propriétés, c'est d'être des bâtiments extrêmement efficaces énergétiquement. On a besoin du BIM pour développer ce type de bâtiment complexe. Mais le BIM, il est aussi important pour les projets simples du quotidien, comme par exemple à gauche, cette petite villa contemporaine neuve, ou à droite, cette petite rénovation d'une maison des années 20. Pourquoi il est important? Parce que là, on va déjà comment dire, bénéficier de quelques avantages comme l'extraction automatique des quantités est précise. Donc ça, pour une entreprise, ça va être très bien. Ou pour vous, pour discuter avec le maîtreur, etc. Ça va être intéressant aussi quand on parle de développement durable pour faire de la rénovation. Donc l'année dernière, par exemple, au BIM d'Or, on a vu la villa Ledoux qui est à gauche, qui est une rénovation en bois et en paille. Où tout le processus de calcul en fait de la future performance de ce bâtiment au niveau énergétique a été calculé par rapport au BIM. Tout a été fait de A à Z, depuis le scan en nuage de points jusqu'à la reconstitution de la maquette, la simulation thermodynamique, etc. Et à droite aussi, rénovation de 552 logements sociaux HL en région parisienne. Tout ça, ça a été fait grâce au BIM. Alors, l'un des gros avantages du BIM, justement, dans le contexte du développement durable, c'est qu'on va pouvoir relever les conditions existantes. Traditionnellement, vous savez qu'on le fera à la main avec son maître ou un maître laser, etc. Mais grâce au relevé laser ou la lasergrammétrie, on va être capable, comme ici, on est sur l'aéroport de Denver aux États-Unis, de scanner le bâtiment pour récupérer un nuage de points que vous voyez justement à l'écran. Ce nuage de points, il est intéressant parce que d'une part, on gagne du temps, c'est précis, et on n'est pas obligé de retourner sur le terrain si on a oublié des cotes, des dimensions, etc. Et à partir de ce nuage de points, on va reconstituer très rapidement une maquette BIM informée. Ensuite, point très important, quand on parle de développement durable, on veut pouvoir faire des analyses et des simulations. Alors déjà, le BIM, on va être capable de l'utiliser en phase esquisse. On n'est pas obligé tout de suite de rentrer en phase exé, etc. On peut, sur la base d'un iPad ou dans un navigateur, avec des technologies comme Formit, reconstituer le bâti en fait environnant. Donc là, vous voyez tous les pâtés de maison alentour, etc. Et puis, on va recréer, vous voyez ici, créer notre projet de tour en niveau de détail LOD 100, le plus simple possible. Et là, déjà, on va avoir un premier niveau d'information sur la partie durabilité. Donc, je vais avancer quasiment à la fin de cette vidéo. Et là, le premier niveau d'information, ça va être d'une part les surfaces ici de plancher, donc pour calculer le coût, parce que la durabilité, c'est ça aussi. Et ensuite, vu qu'on est géoréférencé, ben on va faire une étude d'ensoleillement. Là, c'est le plus bas niveau de l'étude de la durabilité, mais c'est quand même important. Donc, on peut faire ça sur une période donnée de l'année. Ensuite, autre chose qui va être intéressante, c'est que moi, je veux avoir envie, bah, en termes de durabilité, de vérifier si bah, mes deux tours là, que j'ai conçues au niveau du rez-de-chaussée, hein, quand je suis au niveau de la rue, est-ce que j'ai des perturbations qui sont liées à la forme de mes tours ou pas? Est-ce que c'est désagréable pour les gens qui vont se promener au pied de la tour ou les gens qui vont habiter dans la tour? Première chose. Et grâce à ce système de CFD, Computational Fluid Dynamics, on va être capable d'anticiper ça. On va être aussi capable d'anticiper les endroits où on va pouvoir mettre des éoliennes. Ensuite, en termes de durabilité, on va pouvoir sélectionner, vous voyez, des faces de notre bâtiment et demander un calcul de radiation solaire à un instant T de l'année pour voir les températures qu'on va avoir sur les façades de notre bâtiment. Et grâce à ce type de technologie, on va savoir, typiquement, on pourra anticiper, bah tiens, je vais pouvoir mettre des panneaux solaires à tel endroit parce que pendant 3 mois de l'année, c'est suffisamment ensoleillé, donc je vais pouvoir générer une énergie propre
où je vais changer le type de matériau pour résister à cette température. Le BIM, ce n'est pas que pour les bâtiments, c'est aussi pour l'infrastructure. Donc là, vous voyez qu'on peut calculer l'intensité énergétique annuelle, le coût énergétique annuel, le potentiel de rénovation d'un quartier en particulier, le potentiel de rénovation au niveau des ouvertures, des baies, des fenêtres, etc. Simplement à l'aide de technologies comme ici InfraWorks. On va pouvoir calculer aussi l'empreinte carbone, le coût énergétique annuel, donc l'empreinte carbone, etc. Et nous, avec Autodesk, on a travaillé notamment avec 50 entreprises au niveau européen, dont Skanska, sur un calculateur d'empreinte carbone qui s'appelle donc EC3, Embodied Carbon 3, qui permet donc de calculer sur la base de fiches de déclaration environnementale et sanitaire de matériaux donnés, qui permet de calculer finalement ce qu'on appelle aussi l'énergie grise ou l'empreinte carbone d'un bâtiment en fonction des matériaux qu'il va embarquer. Et là, vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est que au travers d'un plugin qui se connecte sur BIM 360, on va pouvoir tout de suite contrôler finalement l'empreinte carbone de notre projet. Donc, on va pouvoir savoir si finalement on est dans les clous de ce qui peut se faire ou si notre bâtiment il est vraiment consommateur en termes d'empreinte carbone et on pourra prendre les bonnes décisions dès les premières phases du projet. Autre chose intéressante en environnemental, où il y a plein de développeurs qui développent des solutions qui se pluguent, par exemple ici à Revit. Là, c'est NumFem Therm. C'est donc ici, NumFem Therm va permettre de calculer les ponts thermiques d'un projet, n'importe quel type de projet. Ça peut être aussi bien un petit pavillon comme celui-ci qu'un grand bâtiment. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir traditionnellement, si on voulait faire ce type de choses, donc le calcul, vous savez que c'est compliqué hein, de calculer les ponts thermiques. Là, ici, le workflow, il est très direct. Donc, ça va être extrêmement facile. Donc, on va définir un certain nombre de réglages, les températures dans les pièces, etc. Et là, on va demander à NumFem Therm de nous faire un calcul d'empreinte carbone et pardon, excusez-moi, un calcul de pont thermique et tout de suite, de manière dynamique, il va nous indiquer les endroits où potentiellement je vais avoir des ponts thermiques dans mon bâtiment. Donc ça se fait de manière extrêmement dynamique dans Revit. Et ensuite, on pourra bien entendu revenir dans le projet, réintégrer les fameuses images pour prouver finalement que notre bâtiment il est efficace d'un point de vue énergétique. Le développement durable aussi, c'est le coût que vont avoir les infrastructures. Donc, vous savez, par exemple, quand on fait des ronds-points, c'est souvent quelque chose qui coûte très cher. On peut calculer différentes hypothèses, différentes variantes. Ici, on est dans InfraWorks. Donc, on va pouvoir à la fois anticiper à quoi ressemblera finalement les futurs carrefours ou les routes qu'on va créer, et aussi calculer le coût potentiel ou anticiper la dangerosité, comment dire, de ce qu'on va faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, en phase esquisse, vous voyez, on va pouvoir de manière dynamique calculer. Vous voyez, à gauche, vous avez le coût, vous avez un widget qui vous donne le coût moyen énergétique annuel. Et là, directement, dans notre projet, on va pouvoir prendre les bonnes décisions, changer la forme du bâtiment, calculer ici facteur de lumière du jour ou le facteur de lumière artificielle directement à partir de notre maquette BIM, et ça, dès les premières phases du projet. Et on va pouvoir, vous voyez ici à gauche, on a le coût moyen énergétique annuel. Donc, on peut prendre les bonnes décisions. On peut sortir aussi ce type de graphique avec la rose du vent, les températures minimum, etc. La consommation des énergies fossiles ou des énergies propres. Qui dit développement durable dit aussi l'utilisation de solutions de simulation CFD qui vont permettre d'anticiper l'efficacité, par exemple, de l'extraction de l'air vicié ou de la pulsation du chauffage à l'intérieur d'un bâtiment, de voir la qualité justement des espaces quand on va justement les concevoir, voir comment éventuellement ici, vous voyez, vous avez l'extraction
où la pulsation d'air à l'intérieur. Ici, on est dans une cellule, comment dire, d'un hôpital. Ici, on est dans une salle d'attente. Vous voyez, on voit tout de suite si c'est désagréable pour les gens qui vont attendre au niveau de la climatisation. Ici, on a une salle d'opération. On pourrait anticiper éventuellement les maladies nosocomiales si justement l'extraction de l'air vicié se passe au mauvais endroit. Donc on peut avoir tout plein de représentations comme ce que vous voyez ici, où ici vous avez toute la partie comment dire, température, ou alors les endroits où vous avez potentiellement de la moisissure qui va arriver, et ici éventuellement la dispersion suite à un incendie de la fumée à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on est là typiquement dans la partie développement durable et dans la partie qualitative. Là on retrouve ces notions de flux au niveau de la ville, et là ici on est dans une usine et on peut voir effectivement ici sur un data center comment on va extraire la partie chaleur en fait qui est générée par toute la partie data center. Donc ici, même chose, hein, dans l'interface de Revit, effectivement, on va pouvoir faire ce type de calcul de manière très automatique et obtenir tout de suite des informations sur le niveau de performance en fonction de la phase et de la typologie d'isolation qu'on va utiliser sur notre projet. Et tout de suite, on aura des informations sur les coûts. Qui dit qualité d'un bâtiment, hein, dit aussi, surtout en cette période compliquée de Covid, dit capacité aussi à anticiper, par exemple, dans un aéroport, l'arrivée des personnes, le dispatch des personnes, la partie sécurité, bien entendu, sécurité, que ce soit la sécurité des personnes, mais aussi la sécurité qui est liée justement à d'éventuelles pandémies de tout type. On est capable, vous voyez, de simuler une zone de sécurité autour de ces personnes pour, comment dire, mesurer la distanciation physique, par exemple, là, dans un environnement avec peu d'affluence ou un environnement avec beaucoup d'affluence. Et on pourrait du coup voir les problèmes de sécurité qui affectent justement toutes ces zones-là. Donc, à partir de modèles BIM qui seraient calculés, on aurait ensuite la possibilité d'extraire, voyez, par le biais d'une nomenclature dynamique comme ça, les analyses de performance de notre réseau. Il y a aussi des développeurs qui développent des solutions qui s'appuient là, en l'occurrence sur Revit. Donc là, c'est une solution en France qui s'appelle Indalo, qui permet de calculer la qualité de l'air et éventuellement la concentration des polluants à l'intérieur d'un bâtiment. Là, en l'occurrence, on est sur un bâtiment de bureau. Donc, il suffit simplement de géoréférencer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir tous les types de matériaux, que ce soit sur les murs, les sols, les fenêtres, etc., qui vont être utilisés. Ces matériaux, on va définir le type de peinture, les valeurs d'émission potentielles qu'il y aura dans ces éléments-là. On va définir la manière dont l'air est extrait par le biais des bouches d'aération. Et ensuite, ce module de calcul, en fonction de règles qu'on va lui indiquer de suivre, va regarder l'évolution de la pollution, par exemple, sur une semaine, en fonction des types de matériaux. Et on va voir l'évolution de la concentration des polluants à l'intérieur, justement, d'un projet, ce qui va nous permettre, encore une fois, de prendre les bonnes décisions sur les bons matériaux à choisir. Pour le développement durable, toujours, dans un cas là particulier, vous voyez que vous avez la tour à gauche. Qui ressemble, alors dans l'esprit, c'est une tour qui est recouverte de panneaux de Murido, un peu comme les panneaux qu'on a sur l'Institut du monde arabe à Paris, avec des diaphragmes au centre. Vu qu'on est géoréférencé, on va être capable comment dire, de manière totalement dynamique, de mesurer la manière dont on va ouvrir ces diaphragmes en fonction de la période de l'année, du moment de la journée, etc. Donc, grâce à la conception générative, on va pouvoir faire ce type de choses, et on pourrait aussi jouer sur la modélisation de quelque chose qui est assez complexe, hein, grâce à la conception générative. Et en bas à gauche,
Vous avez aussi la possibilité d'optimiser le champ de vision, par exemple, dans un stade ou dans une salle de classe. L'intelligence artificielle et la conception générative vont nous permettre d'étudier, ici, on a un module type qui va être utilisé pour une construction de bâtiment. On va pouvoir jouer sur les valeurs de réchauffement de la pièce, aussi de refroidissement de la pièce. On pourra jouer sur l'orientation du module, la hauteur des ouvertures, la largeur des ouvertures, la taille des brise-soleil. Et là, en fait, l'intelligence artificielle va nous aider à choisir peut-être 5 solutions sur la base des milliers de solutions qu'il nous aura proposées. Donc, on va pouvoir prendre la plus optimale. Alors ici, on est dans les extrêmes. Hein. En Chine, vous avez ce constructeur qui a voulu prouver qu'en moins de 15 jours, on était capable de produire un bâtiment qui est d'une efficacité quasiment 10 fois supérieure à ce qui existe, ce qui est construit actuellement, qui est 9 fois plus résistant au tremblement de terre qu'un bâtiment standard. Donc c'est un bâtiment totalement modulaire, vous voyez, qui a été testé au niveau de sa capacité à résister à tout ce qui est sismique. À l'origine, d'ailleurs, cette entreprise, c'était des fabricants de machines à laver qui sont passés dans le secteur de la construction, qui se sont dit, on peut optimiser comme on optimise finalement la construction de machines à laver. Ben, on pourrait tout à fait optimiser ce type de choses. Alors bien sûr, c'est 5 fois plus efficace d'un point de vue énergétique. Vous avez des panneaux de mur rideau de 15 cm qui sont des quadruples vitrages. Vous avez un système de brise-soleil externe automatisé en fonction de la puissance du soleil. Vous avez un système de récupération de l'air frais. Et de la chaleur, vous avez des pompes à chaleur, bien entendu, et tout un système de filtration extrêmement sophistiqué. Et bien sûr, tout ça s'appuie sur un processus BIM. Alors, l'intelligence artificielle, j'ai commencé à vous en parler. L'idée, en fait, avec l'intelligence artificielle, c'est de définir des objectifs et définir des contraintes. Alors, objectif, c'est, par exemple, vue à l'extérieur, perturbation par rapport à ses voisins sur le plateau de bureau, distraction sonore et visuelle, la productivité, etc. Et vous voyez que donc ces algorithmes d'intelligence artificielle vont calculer facteurs de lumière du jour, les vues à l'extérieur, qu'est-ce qui est le plus optimal, et tout ça en l'espace de quelques minutes, et on va être capable de choisir la solution la plus optimale. Je vous ai parlé de la lasergrammétrie tout à l'heure, hein, avec la captation laser pour l'état existant d'un bâtiment. Ici, on va regarder la partie photogrammétrie. Grâce aux drones, hein, si on n'a pas de laser à disposition, ben, on peut, avec des drones, prendre des photos, reconstituer un modèle 3D à partir de ces photos grâce à des technologies du type RECAP photo. Et ce nuage de points, ce modèle 3D nuage de points, on va l'intégrer dans une maquette très vite. On va le géoréférencer pour avoir la position exacte du soleil. Et on va pouvoir très rapidement tester, vous voyez, de manière dynamique en fonction du jour, de l'année et de comment dire, du timing de la journée. Ici, vous voyez, on a un mouchard à biais. On va pouvoir voir, justement, vérifier que notre conception soit optimale. La partie CFD pour éviter les maladies nosocomiales, je vous en ai parlé. Donc, vous voyez ici très concrètement, de manière plus proche, ben, on se rend compte que finalement, l'extraction de l'air n'est pas forcément au bon endroit. Donc, il y a un risque pour le patient. Donc, on pourrait tout à fait demander à déplacer ces éléments-là. Sur la partie environnementale, ce qui va être intéressant, grâce à des technologies comme donc InfraWorks et Simulation Flood, qui est un module du logiciel InfraWorks, on va être capable de définir des zones. Ici, vous voyez, vous avez une route qui passe au centre, au cœur de la vallée. On va définir ici qu'on a donc une rivière qui passe et on va simuler le débordement suite à des pluies torrentielles, le débordement du fleuve, pour voir quels endroits de la route finalement sont potentiellement à risque sur ce projet. C'est un exemple similaire ici, mais sur la ville de Paris, on a simulé la grande crue
pour voir finalement qu'est-ce qui se passerait si demain la Seine venait à déborder, quelles seraient les zones qui seraient inondées et surtout quelles seraient les solutions qu'on pourrait mettre en place. Est-ce qu'on ne mettrait pas des digues à certains endroits sur la Seine pour éviter justement l'inondation de certains secteurs de Paris? Donc c'est Flood Simulation, effectivement. Autre chose, toujours dans le domaine du développement durable, ce qui va être intéressant, c'est de simuler le trafic des voitures. Alors ici, on avait fait cette simulation pour vérifier avec la fermeture des quais sur Seine qui avait fait polémique à Paris, pour vérifier qu'est-ce qui se passe le jour où on coupe la navigation sur les berges. On se retrouve du coup avec beaucoup plus de voitures, des trafics, des points noirs, etc. à certains endroits. Et du coup, on se retrouve avec, bien entendu, beaucoup plus de pollution potentiellement. Autre chose, le développement durable, c'est aussi s'assurer que les populations ne courent pas de risque dans un bâtiment si demain il y a un tremblement de terre ou dans un bâtiment ou dans une infrastructure. Ici, vous voyez, vous avez un parking là sur le côté droit. On simule justement un tremblement de terre et on regarde comment ce pont s'écroule, quels sont les dégâts que cela cause et quels sont aussi les dégâts collatéraux que vous allez voir un peu plus loin à gauche avec les bâtiments qui sont sur le bord là justement du port qui s'écroule, éventuellement des incendies qui se déclenchent. Donc ça permet encore une fois d'anticiper et de ne pas construire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Les risques aussi sont technologiques, hein, on le sait, technologiques ou liés à l'énergie. Hein, quand on construit sous une voie, enfin une ligne à haute tension, pardon, c'est quand même bien de contrôler quel va être l'impact, comme ici, quel va être l'impact sur les habitations alentour. Donc ça, typiquement avec des technologies InfraWorks, ça va être intéressant. Enfin, la partie gestion et maintenance, c'est finalement le clou, puisque on sait que ce qui est intéressant avec le BIM, c'est pouvoir récupérer des maquettes. Hein. Les études disent que grâce à un jumeau numérique de bâtiment, on est capable d'économiser de 2 à 3 euros du mètre carré. Donc ça, c'est très important. Alors justement, c'est là où on voit, nous, chez Autodesk, l'intérêt de la convergence entre BIM et IoT, Internet des objets. Vous voyez ici, ça c'est un proof of concept qu'on a fait sur notre bureau à Toronto. Donc vous voyez en dynamique les couleurs changer. On peut contrôler en dynamique les données liées à la température à l'intérieur de la pièce, les valeurs d'éclairage, la pression de la chaudière, le fonctionnement ou pas de certains éléments, la consommation de certains éléments. On pourrait couper, bien entendu, à distance certains de ces éléments. Ici, vous voyez, c'est sur un bâtiment un petit peu plus important. Les petits points verts que vous voyez, c'est tous les capteurs qui se trouvent à l'intérieur, justement, du projet. On peut naviguer par niveau, hein, c'est-à-dire que ici, on peut aller sur un niveau directement du bâtiment. On peut ouvrir les diagrammes pour chacun de ces capteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont consommé. Ici, vous voyez qu'on peut naviguer directement par le biais de petits raccourcis. On peut voir les valeurs d'humidité, de température, éventuellement les présences de personnes à l'intérieur. Autre exemple de jumeau numérique qui est conçu avec des technologies. Donc, nous, on est en train de travailler sur une technologie qui s'appelle Tandem chez nous. Donc, là, vous voyez que les capteurs clignotent. Et ici, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on a une porte qui est elle-même un élément qui intègre des capteurs. Donc, c'est une porte qui a été dessinée un peu comme un rack d'ordinateur dans lequel on peut mettre des éléments dans la porte. On pourrait mettre, comment dire, des cartes réseau, des cartes pour piloter des capteurs. On pourrait mettre une chatière pour faire passer un chat. On aura, vous voyez, des capteurs de audio, de température, de son, d'humidité. Et en fait, tout ça, ça va s'appuyer ensuite, donc c'est des ordinateurs qu'on va avoir dedans, ça va devenir soi-même un capteur qu'on va utiliser ensuite dans la maquette en exploitation et en maintenance. Donc si on a un problème de sécurité, si on a une alerte, par exemple changement de température ou de pression dans la pièce, ça va automatiquement envoyer une information au gestionnaire
du bien, du bâtiment, qui va pouvoir intervenir et faire toutes les modifications qui s'imposent, bien entendu. Donc, grâce à ce type d'éléments, on va contrôler totalement la vie du bâtiment. Ça, c'est un exemple beaucoup plus complet. C'est le siège de Schneider Electric à Grenoble. Là, vous voyez que ce bâtiment qui vient d'être construit, on va être capable de naviguer à l'intérieur. Donc, on reconnaît les maquettes pluridisciplinaires, hein, architecture, structure, MEP, toute la partie électrique. Et avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir aider les utilisateurs à se diriger à l'intérieur pour aller, par exemple, vers le panneau électrique, le tableau de commande électrique. On va pouvoir naviguer, vous voyez, d'un étage à un autre, voir de manière dynamique sur son téléphone ou sur un ordinateur si des personnes sont présentes, hein, de manière anonymisée, comme vous voyez ici, là, les petits curseurs qui clignotent, ce sont des personnes qui sont sur le plateau de bureau. Et du coup, on va pouvoir automatiquement contrôler la température à l'intérieur d'une pièce, éventuellement couper tous ces éléments-là. Ça, c'est un exemple de bâtiment intéressant d'une agence franco-suédoise EGA, Eric Giudice Architects, qui, vous voyez, a été très très loin au niveau de la définition des métiers. Donc, c'est un immeuble assez complexe où vous avez à la fois un hôtel, des bureaux, etc., des restaurants. Et là, vous voyez qu'ils ont été très très loin. Vous avez la partie chauffage, plomberie, préfabrication, poutre, cloison, etc. Ils ont été vraiment très très loin. Et ça vous montre aussi que grâce au BIM, on peut aller simuler aussi le confort et les performances du bâtiment. Donc, vous voyez par exemple simulation thermique, la simulation acoustique, hein, sur le côté plutôt droit, et aussi simulation de pulsation d'air à l'intérieur du bâtiment. Et sur la qualité environnementale, grâce à cette maquette BIM là, conçue avec Revit, on va être capable de faire tout ce qui est certification LEED et assembler ensuite les éléments. Dernière partie de ma présentation, mais vraiment très rapide. L'objectif, quand on fait du BIM, c'est quand même à la fin d'obtenir une maquette pour pouvoir exploiter le bâtiment. Donc là, c'est sur la partie conception. Et cette maquette, donc dans des solutions du type tandem, on va être capable de complètement classifier les informations dans la maquette pour le jumeau numérique. On va être capable de rajouter, donc on va récupérer toutes les informations qu'on a définies dans la maquette Revit, mais on pourrait rajouter des paramètres, classifier des paramètres, etc., spécifier des paramètres, venir les importer, agréger différentes données de différents modèles, en fait, tous ensemble. Et on pourrait, comme vous le voyez ici, filtrer ensuite les informations pour venir s'intéresser simplement à un élément particulier, une pompe qu'on aurait besoin, comment dire, de réviser ou de changer, etc. Donc, grâce au système de jumeaux numériques, on va aussi pouvoir assurer la traçabilité sur chacun des éléments qui constituent la maquette globale. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, là où autrefois, vous voyez à droite, on récupérait comment dire, un ensemble de jeux de plans. Maintenant, on va récupérer un jumeau numérique qui va être constitué des différentes maquettes qui auront été réalisées par le maître d'ouvrage, l'architecte, les entreprises, les ingénieurs. Et on va être capable d'optimiser et de changer totalement la manière dont on gère le cycle de vie complet de notre bâtiment. Et avec ça, on pourra imaginer plein de choses, gérer le space planning, l'utilisation des locaux, faire de la maintenance prédictive, planifier ou de la maintenance à la demande. Et on pourra aussi monitorer les performances et régler les performances du bâtiment, comme vous l'avez vu qu'on a les infos des capteurs en temps réel. Donc, je vais juste finir ma présentation là en passant rapidement ces quelques exemples. Mais je finirai par cette citation en fait, de notre PDG qui est convaincu, en fait, Autodesk est convaincu qu'il faut en fait s'occuper des problématiques environnementales de la planète.
Et tout en tenant compte justement des besoins des populations qui sont de plus en plus importantes. Et vous savez que c'est de plus en plus grandissant. Donc c'est à la fois un défi pour nous tous, mais c'est aussi une opportunité qu'il faut absolument que nous saisissions tous. Et ça représente grosso modo 5,5 trillions de dollars, un marché de 5,5 trillions de dollars pour justement la création de biens à faible émission carbone. Donc voilà, je vous remercie toutes et tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste là. Merci beaucoup, Emmanuel Didiacomo, pour cette brillante présentation. Vraiment, et merci vraiment de nous avoir donné un overview et nous éclaircir beaucoup sur le BIM et son impact et sur les constructions durables. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et le micro est là. Et aussi, vous pouvez peut-être les écrire dans les chats. Il sera là pour vous répondre. S'il y a des questions, ils sont les bienvenus, je crois. Vous avez le plein droit d'activer votre micro. Si vous avez une question à poser directement, vous pouvez l'écrire sur les chats. Toutes les questions. Surtout pour le continent africain. Pourquoi les professionnels sur le continent africain doivent converger vers les BIM? Alors, Christian, il y a juste une coupure, donc la question c'est. La question, c'est pourquoi les professionnels du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction doivent converger vers les BIM? Pourquoi ils doivent converger vers les BIM? Alors, pourquoi ils doivent converger vers le BIM? Parce que, alors, d'une part, c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus dans le monde entier. Il y a un vrai grand mouvement finalement vers la digitalisation du secteur de la construction parce que, alors, d'une part, ça va leur permettre d'être plus efficaces, ça va leur permettre aussi de s'exporter à l'étranger. C'est-à-dire que ça va leur permettre d'être à la fois efficaces en Afrique, de faire de meilleurs projets de meilleure qualité, mais bien entendu, moi, ce que je constate par exemple en Europe, c'est que les jeunes générations sont beaucoup mieux formées en Afrique du Nord, au niveau du BIM que, par exemple, dans nos écoles chez nous. Et du coup, nous, on trouve ça, on a besoin de personnes qui soient compétentes sur les nouvelles technologies parce que tous les nouveaux projets, avec tous les défis qu'on a vus sur la préservation des ressources, la complexité des bâtiments, etc., on ne peut pas imaginer le faire comme on le faisait avant. C'est-à-dire, oui, on pourrait continuer à travailler de manière classique, mais on mettra deux fois, trois fois, 10 fois plus de temps. On ne sera pas efficace, on aura des erreurs sur le chantier, il y aura des surcoûts, et on peut plus se permettre en fait d'avoir des surcoûts, de gaspiller, etc., des ressources, du temps. Il faut absolument que, comment dire, les professionnels du secteur en Afrique passent sur justement les nouvelles technologies. C'est incontournable. Ça fait partie du progrès de manière générale du secteur de la construction. Ça permet d'être plus efficace aussi pour eux, ça leur permettra d'être plus rentable. Et moi, ce que je dis souvent, même en Europe, on me pose souvent la question, par exemple en France, je leur dis, ben, demain, si vous voulez aller répondre à un appel d'offres ou à un concours à Dubaï ou au Moyen-Orient, etc., dans les pays où le BIM est obligatoire, si vous n'êtes pas BIM compatible, ben vous allez avoir un problème. Donc c'est hyper important et je pense qu'il y aura de plus en plus de pays en Afrique, comme par ailleurs en Amérique du Sud, qui rendront le BIM obligatoire parce qu'ils ont compris, les gouvernements, les maîtres d'ouvrage, qu'on va faire des économies de l'ordre, par exemple, de 20% minimum sur le coût de la construction. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Christian, voilà. Allô?
pensez-vous que les BIM puissent devenir obligatoires, au moins répandus, et dans quel contexte du projet? Oui, Ah. je pense que le BIM peut devenir obligatoire. Alors nous, En on a... Afrique. En Afrique, pardon. Bonjour. Bonjour. Oui, en Afrique, voilà, en Afrique. Oui, je pense qu'il y Là. a... Alors en Afrique, de manière globale sur le continent, je ne pense pas, parce que par exemple, si on compare à l'Europe, il y avait juste en fait une directive qui datait de 2014 qui disait... Nous recommandons fortement l'utilisation de technologies du type BIM. Alors, ce n'était pas spécifié que c'était BIM. Et du coup, ils ont laissé le choix finalement à tous les États membres de dire, nous, on va le rendre obligatoire ou pas dans chacun de nos pays. Et ce qui s'est passé, c'est que la quasi-majorité des pays, sauf la France et pour l'instant la Belgique, parce que ça a été un choix de dire, ben non, nous, on ne veut pas le rendre obligatoire, on veut que ce soit juste une recommandation à l'utiliser, mais le résultat, il a été clair et net, c'est que les pays du type Royaume-Uni ou Italie ou Allemagne où c'est obligatoire, ça va beaucoup plus vite maintenant, parce que justement, il y a une obligation. Je pense qu'en Afrique, ça peut devenir obligatoire pays par pays, ça c'est clair et net. Par contre, au niveau du continent, c'est toujours plus compliqué, si vous voulez. Bonjour, je suis Jamel Matmati de Tunisie. Bonjour, Je oui. vous parle de Tunisie. Vous avez parlé de l'obligation de BIM. Dernièrement, la direction régionale de l'équipement de l'habitat ici en Tunisie a obligé les architectes de ne pas participer à un concours que si vous n'utilisez pas le BIM, vous ne pouvez pas assister à ce concours-là. Ils ont obligé les gens À travailler en à BIM. ne participer qu'en utilisant le Building Information Modeling. Mais ma question, ce n'est pas ça. Ma question, c'est, je vois que le BIM et le SIG, le système d'information géographique, depuis les fins d'année, des années 1990 et le début des années 2000 jusqu'à nos jours, ils n'ont pas pu se développer. Pourtant, Manata, le SIG et le BIM, c'est quelque chose de très intéressant. Manata, c'est une révolution dans le domaine de l'urbanisme et dans le domaine de l'architecture. Manata, ce sont deux révolutions Manata, digitales dans ce domaine-là. Mais ils ne sont pas se développés Manata, largement dans le monde et surtout ici en Afrique, Manata, même en Tunisie. Il n'a pas pu se développer. Je cite bien, par exemple, parmi les choses concernant le système d'information géographique, les gens ne veulent pas laisser les données à la portée de tout le monde. Chacun, il veut camoufler, il ne veut pas divulguer ses données. Chacun, il veut être celui qui est le propriétaire de données, celui qui. La même chose, je vois, c'est pour le BIM. Est-ce que c'est cette raison-là qui n'a pas laissé en même temps le SIG et le BIM se développer aussi largement dans le monde et surtout, maintenant, je vois ici en Tunisie, ça n'a pas pu se développer. Et merci. Hein. D'accord, merci. Alors, sur le BIM, c'est, je dirais que c'est autre chose parce que si. Alors, le BIM, il est en train de se développer, c'est clair. Alors, vous avez raison, c'est ce que je disais dans la présentation d'ailleurs. L'une des problématiques dans le domaine du bâtiment, c'est que les uns et les autres ne veulent pas partager leurs informations, ce qui pose souvent un problème. Mais quand c'est rendu obligatoire par le maître d'ouvrage sur un projet particulier, même pas forcément au niveau du pays, hein, mais sur un projet particulier, ils n'ont pas le choix. Donc en fait, les données, ils vont les partager sous forme de maquettes BIM et de toute façon, petit à petit, les barrières sont en train de tomber, hein. Il faut du temps. Sur la partie SIG, vous avez raison, parce que le SIG, ça fait très longtemps que ça existe, hein. Ça fait depuis des années, effectivement, 90, etc. On voit qu'il y a une problématique, effectivement, au niveau de la propriété des données, mais on voit aussi que c'est en train de changer, parce que je vois, par exemple, en France,
Maintenant, tout ce qui était données cartographiques, etc., avant, c'était vendu par l'IGN, Institut Géographique National. Maintenant, depuis cette année, alors je crois que c'est lié à une réglementation européenne, ils ont obligation de le mettre à disposition gratuitement. Donc, toutes ces choses-là, c'est en train d'évoluer. Après, sur le partage des informations, la propriété des données, effectivement, il y a malgré tout… beaucoup de prudence à avoir, etc., sur la manière dont les données sont partagées, exploitées, diffusées. C'est pour ça que vous avez la nécessité d'avoir des conventions ou des chartes BIM qui permettent de s'assurer justement que les données ne seront pas volées ou ne seront pas exploitées différemment. C'est l'un des freins, c'est pas le seul frein. Souvent, l'un des freins au déploiement du BIM, c'est plutôt la partie financière, c'est-à-dire les gens disent souvent ça coûte cher, on n'a pas le temps, etc., on n'est pas formé ou on ne trouve pas de jeunes formés. C'est plus ça, hein, si vous voulez, les freins. Et puis c'est plus aussi le gros frein, c'est les professionnels du secteur ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas se former, ils disent non, non, moi ça marche très bien comme ça. Donc les freins, ils sont plutôt là. Mais avec les jeunes générations, c'est en train quand même de changer. Parce que comme je vous le disais, nous, on voit beaucoup de jeunes, justement, de Tunisie ou de Maroc et d'Algérie, qui sont BIM managers en Europe et notamment en France, qui ont une compétence incroyable. Et c'est eux qui permettent aussi, sous l'impulsion de leur direction, bien entendu, mais c'est eux qui permettent de faire avancer les choses. Donc, les mentalités sont quand même en train d'évoluer. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet éclaircissement. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Je crois qu'avant de mettre fin à cette session, s'il y a encore deux ou trois questions qui peuvent poser ça rapidement avant que nous puissions terminer notre BIM Talk. En attendant, s'il y a de dernières questions à poser, et je crois bien que… Et vous pouvez aller dans les chats, les messages, si vous voulez vraiment savoir beaucoup plus sur ce que fait Emmanuel DiGiacomo dans les domaines des BIM. Voilà, et il y a les liens vers son blog abcdblog.fr. Là, vous allez beaucoup plus vous ressourcer, vous allez beaucoup plus y apprendre sur les BIM. C'est un blog tellement très professionnel et très impressionnant. C'est là où nous tous nous ressourçons. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'avancement du BIM à travers le monde. Et je vous prie vraiment de visiter son blog, de vous abonner et d'être beaucoup plus informé à temps réel sur l'évolution du BIM à travers le monde et l'Afrique. Vous allez trouver les liens dans les chats. Oui, rebonjour. Ah, pardon, il y a déjà une question. Allez-y, posez votre question. Alors, est-ce que là, je vais répondre à la question et après je répondrai à Madame El Guédari. Donc, la question, est-ce que la mise en place d'un système BIM au sein d'une entreprise ne coûte pas cher ? Alors, ce n'est pas que ça coûte cher. Alors, souvent, à cette question-là, vous avez beaucoup, par exemple, quand on parle avec des architectes, notamment je prends l'exemple des architectes, mais ils vous disent que ça coûte cher. Mais vous avez aussi des architectes ou des entreprises qui vont réfléchir différemment. Ils vous disent ça a un prix, effectivement, ça peut coûter cher, mais ce n'est pas ça qu'il faut voir, c'est le retour sur investissement, ce que les Anglais appellent le return on investment. C'est-à-dire, OK, ça m'a coûté 3 000 euros ma licence, plus ma formation à 1 500 euros, etc., plus un ordinateur, etc. Mais ça me permet d'être deux fois plus efficace, ça me permet d'être plus rapide, de faire des projets de meilleure qualité, de gagner plus de projets, de répondre à des appels d'offres en BIM, alors que je ne pouvais pas le faire avant parce que je travaillais en SAO classique. Donc, il faut surtout voir l'aspect retour sur investissement. Parce qu'en fait, quand vous aurez rentabilisé votre investissement, vous verrez que vous allez gagner beaucoup plus de temps, d'argent, de qualité sur le projet. Donc, c'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. De toute façon, qu'est-ce qui n'a pas un coût à l'heure actuelle ? Donc, il faut vous dire aussi que c'est votre instrument de travail qui vous permettra d'être efficace dans les années à venir. Alors, je vais répondre à Madame El Guédari, si vous voulez. Merci. Je voudrais en fait rebondir sur ce que vous avez dit. À propos des personnes qui peuvent venir d'Afrique du Nord ou d'Afrique en général et qui vont travailler en tant que BIM manager
en Europe et participer donc à son développement. C'est à la fois quelque chose de très positif et encourageant, et en même temps, ça fait aussi partie du phénomène de fuite des cerveaux qu'on peut déplorer de manière générale pour toute l'Afrique. Et le BIM en Afrique, quel peut être son futur? Est-ce que ça peut être que dans des gros projets? Et dans ce cas, ça reste quand même assez minime. Ou est-ce qu'on doit imaginer une forme de BIM qui va s'adapter au contexte africain? Parce que le contexte africain, il a plusieurs vitesses. Donc, ouais. Je pense que, vous savez, on a toujours d'ailleurs le même problème ici. Hein, c'est-à-dire que quand on essaye de convaincre des maîtres d'œuvre, hein, que ce soit des architectes ou des ingénieurs des bureaux d'études, etc., souvent, l'une des réponses, c'est qu'ils disent « Ah non, non, mais ce n'est pas pour nous, c'est que les gros projets, etc. » Ça leur fait peur parce qu'ils voient souvent des gros projets, etc. Mais voyez, ne serait-ce que les deux petits projets, et j'en ai présenté que deux, hein, j'aurais pu vous en présenter plus, mais les deux petits projets, la rénovation de la Villa Ledoux ou les 552 pavillons, là, etc., c'est des petits projets. Moi, je vois plein. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à une époque, il y a eu beaucoup plus d'agences d'architecture alors les bureaux d'études peut-être un peu moins parce que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient en 3D, mais il y a eu beaucoup d'agences d'architecture qui sont passées entre guillemets en BIM, c'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'on appelle du BIM solo chez eux dans leur agence, tout seul, l'architecte où ils étaient deux dans le bureau. Pourquoi? Parce que c'était plus facile pour eux, ils avaient juste l'investissement à faire une fois qu'ils étaient convaincus à se former et ensuite à travailler. Parce que c'est beaucoup moins, si vous voulez, c'est beaucoup moins compliqué que pour une entreprise même de 40 personnes qui dit demain, bon, il faut qu'on passe en BIM. L'investissement, il est plus important parce que là, du coup, on va former au tout début au moins 10 personnes, prendre 10 licences, etc. Donc, tout ça pour dire que le BIM, ce n'est pas forcément pour les gros projets et il y a de la place pour le BIM, pour les tout petits projets aussi. Ça, c'est clair et net. Ce ne sera pas peut-être du BIM sophistiqué, comme on le voit sur ce qui est présenté de manière générale, avec 10 disciplines différentes, etc. Il n'y aura peut-être que de l'architecture et du MEP, ou de l'architecture et de la structure, mais ce sera déjà bien et ça va répondre à... Ça va déjà répondre à, si vous voulez, à un certain nombre d'attentes et ça va permettre d'atteindre des objectifs. Donc, il y a oui, effectivement, je pense que pour l'Afrique, tout comme pour l'Europe, on peut voir le BIM à son niveau sur des petits projets. Vous savez, par exemple, en France, il y a les deux plus gros constructeurs de maisons individuelles, MFC, Maison France Confort et Geoxia, qui ont changé, l'un des deux a changé de nom d'ailleurs. Qui aurait imaginé qu'il y a quelques années qu'ils feraient du BIM? Dans les faits, maintenant, ils font du BIM. Il y a plein de gens qui se seraient dit sur de la maison individuelle, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, ça se fait. Vous voyez, le BIM, il faut le réfléchir aussi en fonction du cas d'usage. Demain, si en Afrique, vous décidez sur un pays comme l'a fait, je crois que c'est Dubaï, en 2025, 25% des bâtiments doivent être imprimés en 3D. Si demain, au Maroc, je ne sais pas où, il y a une décision du gouvernement de dire il faut qu'on construise en modulaire ou qu'on imprime au moins 25% des maisons en 3D, potentiellement, ça veut dire qu'il y aura une place pour le BIM, si vous voulez. Okay, merci beaucoup, Emmanuel Di Giacomo, et merci à tous les participants. Je crois que nous venons à la fin de cette session. Et je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 mots à dire avant de clore cette session, Emmanuel Di Giacomo. En tout cas, moi, je remercie tout le monde. Encore une fois, je remercie Christian, Moses et toute l'organisation de BIM Africa. Ça a été un plaisir de faire cette présentation. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et voilà, donc moi, je tenais à vous tous vous remercier. Merci beaucoup vraiment d'avoir répondu présent à notre session et on espère vous avoir prochainement, encore une fois, qu'on aura besoin de vous pour notre session dédiée à BIM Talk et sur les BIM. Merci. Merci. Merci à tout le monde et on se retrouve prochainement sur une autre session de BIM Africa. Et si vous voulez télécharger les rapports que BIM Africa fait pour la
Les rapports de BIM Africa que nous avions fait pour l'année passée, voilà les liens, vous pouvez télécharger BIM, voir l'avancement des BIM sur le continent africain. Les liens dans les chats, n'hésitez pas à télécharger. Il y a un module en français et en anglais. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Di Giacomo et bonne journée à tout le monde. On se retrouve le mois prochain pour une autre session de BIM Talk. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci.